Central Buzz, Central Buzz. On est ici sur la place Galego. Qui te beat yo? Yeah, yeah. José Andrew Extello. Bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous conseille de vous abonner. Mettez le pouce bleu et ayez souvent l'habitude de partager nos liens. Faites la promo de notre chaîne. Incitez vos proches à nous suivre. Je m'appelle Demeur Nyang Imoukou, c'était le hymne national. Maman Bobby, Maman Cessé, Maman Lopango, Mère Chef, La Quinde. Vous constatez qu'il y a un tout petit peu de bruit tout autour parce que c'est aujourd'hui que Chanda va prester à la halle de la Gombe. Je ne suis pas seule, j'ai reçu pour vous quelqu'un, il s'appelle Thierry Mombaya. J'espère que vous l'aimez beaucoup et je vais lui dire déjà bonjour. Bonjour Déborah, bonjour également à tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes. Moi aussi également, je vous demanderai simplement de vous abonner ici puisque c'est aussi une très bonne adresse. Pour suivre l'excellence, comme moi je suis l'ami de l'excellence, j'aime bien là où il y a l'excellence. Donc abonnez-vous aussi ici, je crois qu'il y aura de l'excellence à temps plein. En tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec Thierry Mombaya et on est à la halle de la Gombe, c'est le concert de Bébé Tchanda. Mais Naebite Tchanda, ça fait beaucoup de temps qu'il n'était pas à King Thierry, ouais. Et il est revenu. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée à Kinshasa? Moi je pense que c'est une sage décision de revenir déjà au pays parce que Tchanda c'est une star. Ça, il faut le dire, Tchanda Sali Tonaye, c'était avant la vie des stars chez Fally Poupa, avant la vie des stars chez Perregola. Mm. Bah, au bazar, il y a une génération, bah, on va contrôler. Mais aussi, on peut citer Tchanda Sali, il a fait face à Kofi Olomide, à Jibem Piana, à Ransom. Tchanda Sali a fait featuring à Papa Wendo Kolosoy. Imaginez. Donc, Tchanda, déjà, de son jeune âge, en fait, dans l'enfance, disons ça comme ça, il a réussi à faire ça, l'exploit à Mokoboye. Tchanda est un stade des martyrs. C'était un concert à retrouvailles. Tchanda presta na kombo na, c'est-à-dire leader Tchanda Mati, a embi ba leja boule la, a embi ba nzembo na nyonso ndako emba l'époque, kombo na ngai et les autres. Moi je crois que c'est une sage décision, mais seulement c'est un peu venu tard. Okay. Pour ne pas dire trop tard, puisque trop tard est raté, c'est un peu venu tard. Mais il a ses raisons. Moi je y a souvent une fois le vieux marais que j'ai sali. Expliquer la raison à l'absence de Tchanda pendant longtemps parce qu'il y a autant, là, ça il faut mentionner. On a autant, mais ça, là, il peut, comment on appelle ça conservatoire. Conservatoire, là, où on apprend la musique, la symphonie, le bloc en Agnonso. Donc, c'était normal et justifiable à Zouatan, à Agnonso, à Zouakin, Europe. Mais, retourne à Awa, moi je pense, c'est bon, ils ont bien, la décision elle est bonne, comme je disais tout à l'heure, mais et ça, en fait, ils ont mal géré, la coordination n'a pas bien fonctionné. Pourquoi je le dis? Moni Tchanda, c'est quand même moi na mouké balinga qui na mou bon moi na naï. Et tant qu'on a zozo, il fallait pas préparer terrain. Ouais. Fallait pas préparer terrain dans le sens que Bisson, tant qu'on a eu Tchanda, c'était un petit enfant. Bisson peut toujours être ajouté, ça il faut tout avouer. Ouais. Mais c'était un petit enfant qu'on aimait na ba jeune âge na Bisson, comme on a enfant Azaki Koyemba. Mais la plus grande question qu'on s'est posée c'était quoi? Voir moni bal mouké toujours bazar un enfant moi Koyemba. Mais plus aux autres là, on va atteindre un niveau moko, voir nos égos dans nos formes Koyemba. Peut-être qu'on force, atteindre la perfection, mais on atteindre la parce que tu as dit que le Garou, c'est un grand chanteur, mais ça a été clair, le roi Jacob de Varier, c'est un grand chanteur, un grand artiste, un musicien, mais ça a une voix claire, clarté. On peut citer un bon nombre de gens comme ça au Bayemba. On s'est posé des questions, c'est Tchanda Soka Koli. Est-ce qu'il y a une voix Koyemba? C'est la même question qu'on s'est posée sur Inosbi, sur Choisi Basolo, à l'époque, on a un bébé Choisi, sur Bébé Souza, on a un Yemba dans un jeune âge. Mais à Nina Koyemba, alors il fallait qu'il prépare le terrain. Parce que le terrain, il a déjà saturé. Musique, il y a Inosbi, c'est un succès. Gezma, c'est un succès. Gez Fabulous, c'est un succès. Et bon nombre d'artistes à toi dans l'Al de la compétitivité français. Ce que chaque semaine, il y a production, ça va découvert, va te bêler. Je vais dire le terrain saturé puisqu'il y a bateau va s'imposer. Mais Tchanda, c'est déjà un an, c'est déjà moto to yébi. C'est-à-dire qu'il fallait préparer le terrain, préparer arriver. Il y a un mois pour médiatiser en haut. Genre que Tchanda arrive, rafraîchir mémoire, on a bien sûr bateau to yébi, informer bateau. Il n'y a jamais de Tchanda, il y a combo. Et avoir Tchanda comme ça, il n'y a pas moyen pour ça, le lien entre les Tchanda de hier et les Tchanda des grands frères ou comme il est. Donc je crois que c'était vraiment important à préparer. Mais s'il faut dire qu'on peut sa chance, s'il faut dire qu'on a le terrain, tout est possible.
tout est possible. Mais est-ce qu'il a la chance de récupérer le public ou à Bungisi? Déjà récupéré, non. Mais il a toutes les chances du monde pour avoir le public. Aussi. Il a okay. toutes les chances parce que on a eu qui va dire monnaie net, monnaie boya sous quoi tu peux poster, je suis venu sur tout à l'heure yélé où il a, ça dit ils ont toute stratégie à bien jouer là haut, il a pour revoir image là où on a tout au début, oh yémo hasard au mital là dans le miroir voir son passé, son enfance et puis il a réalisé que à Colisico. Donc moi je crois c'est une voix vraiment exceptionnelle la musique Nabisso. Et belé, moi je déplore quelque chose. Pour tout quoi assister en fait. Ça balance dans les instruments. Généralement, la musique aujourd'hui est devenue tellement facile que, parce que technologie m'a remébélé, généralement, je le dis comme ça, la majorité a battu la probité. Ce ne sont pas des grands chanteurs, en fait, ta performance. Quand tu vois Ferrigo la chanter, au moins, il y a ta performance. Quand tu vois Fali pour pas chanter, c'est la performance. Au moins, il y a Biana, ou Ransom. Malgré le timbre vocal, c'est la performance. Mais il y a un probité. Souvent, ce qui est la répétition, il y a un live, il y a un il y a Nigeria qui a été fort dans live, qui a semi live et qui a été choqué. Alors, Tchanana live est impeccable. Déjà, c'est une qualité de plus dans le monde musical, en fait, dans le secteur où il y a ça. Déjà, c'est un facteur qui a tenu en haut et qui a été possible. Seulement, musique, c'est l'ensemble. En fait, la réussite dans la musique, ce n'est pas seulement la voix. Parce que ce que vous avez à voir, mais les artistes et les musiciens congolais, Moussoussou, la voix compte, mais c'est aussi structuré Bironayo, structuré Maramonayo, ça a une vision définie. Et puis, mets-toi dans l'école, il y a Rai, Bana, Otambola par rapport à cette vision. Je crois que Tchanda a rassemblé Maramouana, Nyonso, et ça l'a bien. Et moi, je suis d'ailleurs d'accord sans ses parents. Parce que hier, c'était le Tchanda couvert sous ses parents. Tchanda mais est-ce que sans ses parents, on pourra obtenir longtemps? Oui, à obtenir, parce qu'à l'époque, le vieux Marai, c'était un nom. Hein. À l'époque, c'était une star. Hein. Et puis, voir une blanche, je crois, suisse, une blanche, à Marabalinga, là, c'était une exception. Alors, tout le monde a moins dans la bango. Les Aki, le gros, tous s'intéressaient pour la découverte. Mais aujourd'hui, attention, ma télé, sauver Maraï, ils ont moins compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Et on va prendre un exemple comme ça. Youssoufa a bimité na image à papa naïe. Youssoufa a les succès aujourd'hui, c'est une star mondiale. Mazana na Gims aussi. Hein? Gims a bimité na Nandela image, c'est que je suis le fils de Djou. Nadjanana, on va citer aussi comme ça Dadjou. Donc pour dire que c'est fort possible à se frayer chemin. Et Simbappé. Et le coup la zone Mboka, c'est important. Moi, il y a ma base à solide. Moi, je vois des Gims de temps à autre parler de la RDC. Je vois des Dadjou de temps à autre essayer de faire des tours ici. C'est-à-dire, peu importe le niveau à atteindre, je dois reconnaître que la base, c'est le pays. En fait, c'est mon pays. Donc, je dois aussi avoir une base là-bas et puis le reste, ça va venir. Moi, je crois que Abisso peut prestoyer Pembe Naïeboué. L'idée, quand il y a boosté un peu, il y a mon soin bien structuré. En parlant de la presse, artiste, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Bisso Moro, il y en a à ton niveau? Tu penses que. Il va tenir bon, il est sur la bonne voie parce qu'il y a la concurrence, il y a Inos B, il y a Guez Fabulous, il y a Guez Mawete. Est-ce que tu penses qu'il est, il a ses chances? Il a ses chances, moi je crois, non, en fait, il n'a pas perdu son temps là-bas parce qu'on est au temps. Déjà, formation c'est important dans la vie. Moi je l'ai toujours dit, chaque fois que la première des choses à faire, je me renseigne et je m'informe sur les choses. Et après, dans le cas, j'ai moins formation, moi vite fait. Même si on a sali séjour à une semaine, bah tout au Bayébi, au Bamon, dans la place d'un voyage, dans le cas toujours, on a saisi l'opportunité à quoi apprendre. Et il y a l'excitant, il y a un Yakoutab, c'est pas perdu. Et Nathalie, un peu moins quelques prestations, on a un niveau dans Bango, au Monaké, il est quand même dans ça. La concurrence doit exister et pour continuer à coexister. Je me dis, Fali Poupa Tanga Banda qui fait égal à Tanga Banda, qui y avait des Ouera et des Jibé, tout le monde, viande, bazalara, batikara, il se passe t'es. Ma croque à jambes, ma raboué belé et toutes ces choses-là, mais ils ont été en fait objectifs. N'est-ce pas le PC, n'est-ce pas le PC? Disso presse lecture, tout comme ça, les amis. Vous voyez, ça toujours bah, artiste. Oyo, déjà, ça, c'est bon, bien. Mais il faut toujours viser où? Il faut viser où? Parce que le lot, Oyo, dans la intervention, interview, il y a mère, il y a Dadjou, comment il s'appelle encore? Maman Dalida. Ah oui. A expliqué à Lobby. Au début, tant qu'en fait, à le début à Dadjou, on a rappelé toujours, c'est pas parce que ton frère est musicien et puis il est aujourd'hui star que toi tu dois abandonner tes études, embrasser la carrière musicale. Ça ne rassure pas. On prend un exemple comme ça, Mélodie Tabou.
chanteuse, aïe m'a bien moi na wana, aïe m'a na papa na e. Et puis mélodie tabou ici à maman Bilabel, na papa taboulé. C'est-à-dire la musique et la musique. Aujourd'hui, Peggy Tabou, un très grand compositeur, un arrangeur, un bon chanteur, un très bon chanteur, ça a été vraiment exceptionnel. Dans un endroit, mon émotion a ligné à basse. La future n'a papa ou une petite, alors on a pardonne-moi. Composition, clip, maramoutou, parce que ça a la même conception. Clip. Et bah disque Moussous, bah disque d'or, oh Youssouf Azoua, yem ta koumélé. Parce que mon dieu, ça soit petit prophète, après ça compositeur, n'a interprète. Yem pas un disque d'or, on est un compositeur arrangeur. Mais Youssouf, sans une Peggy na terrain. Il n'est pas là, il n'est pas présent, il n'est pas star. En fait. Donc pour dire que, on voit qu'on est issu d'une famille musicale, mais ça ne rassure pas grand-chose. Du coup, il faut travailler. Nous, on peut dire Ekosimbate et pourtant Simbi. Nous, on peut dire Ekosimbe et pourtant Simbi. Alors, Bissot Presse, nous, ça, tout ça, les a rendu visibles les activités. Donc, il y a une fois une activité, il y a une fois une œuvre, il y a une fois un produit, au Bissot Royal, tout qu'on vendrait dans les médias. Donc, tout ce que nous pouvons faire, les a autres, tout ça là. Mais la suite, c'est ça, moi je pense déjà, son arrivée au Congo, il est entre des très bonnes mains. Il y a Jamel Tabou, c'est un professionnel à médias et puis il travaille très bien. Donc, du coup, avec la vision de Jamel, seulement, il y a un peu de la ville. Ok. C'est-à-dire, Batigi artiste, il y a un hall de la Bombe, il y a au centre Wallonie, Bruxelles, il y a un milieu, il y a un Shark Club, non. Gezma, il y a un succès parce qu'il y a un Chang. Moi, je suis un mystique. C'est-à-dire, Chang, il y a un musique, il y a un musique, il y a un musique, il y a un jeune mort de la rue. Et les gens ont apprécié sa musique, quand il y a un concours, est boosté. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont surpris. Il y a un tel Gezma, il y a réflexion. Sagesse et intelligence, ça ça là. Et pourtant, ton nom est jeune, moi, là. Il n'a pas de moi, je suis là. Mais aujourd'hui, tu as là, il n'a pas de façon à progresser. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est Jizo, Fonko Djibaloumé, ingénieur du son, son frère propre, a investi dans Basali Studio. De l'autre côté, c'est HB, Achille Baloumé, son propre frère, Basali Studio a réalisé son clip. Et côté artistique, Prince Baloumé et puis manager. C'est-à-dire, il a assuré d'abord. Namutu na ya ebi ke na koti mongo na possibilité on sa ba déplacement na travailler na ba école les autres tout ce que je gagne na investir dans la musique et aujourd'hui son succès est insaisissable. C'est possible aussi avec Chanda mais seulement il doit aussi qu'on mixer quoi. Awa awa même mon pas côté cité ba petit père cité ba ses souvenirs na yeke ah biso dans ba ya ba nous de son nzemba bébé Rico nzemba bébé élégance les aki bébé Chanda je crois et au pays ça yepe nzela malam. Donc ce qui concerne ya lelo à Beta qui ont par exemple dans ma machine, et après parce que bon, ah ils ont festival, mais après faut dire que festival de la Chang ou Zalaka, festival Monel et les Zalaka, bah festival les comment peut bénir la moi mawana, je crois côté Unikin, bah festival les comment on sale ma pewana, et tout ça la période à kermesse, ça dit bah permettre hier aller quand la mission bah dimanche, aller quand la mission y a bah oh bah lobby la bah musique à Awapé, et après bon aller quand la radio pe, à ça peut bah bloquer festival monsieur ça, aller pas Beta ça. Demander l'argent, je crois, ils ont vraiment bon étant professionnel, mais à s'approcher de la population congolaise, la population qui n'ose pas apprendre à consommer en contrepartie, bah, on peut se succès, on peut se battre. C'est la population des PSA succès. Nous, tout le monde a Thierry Mombaya, artiste, on a photo par exemple, Peggy Tabou, tout ça que tu as cité. Mais j'ai 30. Bon, il y a qui, tant on va voir les qui les qui n'a pas télé. Tant on va voir les CC, la promotion, on va saturer la radio, bêtement, la showcase. Mais quand il rentre silence radio, est-ce que Chanda ne va pas nous faire le même coup? Il vient et puis il disparaît. En fait, tout dépend de la vision. J'ai dit tout à l'heure ici, je parlais tout à l'heure de la vision. Parce que chaque personne a sa vision. Il y a certes, même si on apprécie, il y a certaines personnes qui disent où sont partis les vieux, nos vieux, Popol Mukelenge, où sont partis nos vieux? Paulin Wang, Blaise Wang, où sont partis les Thierry Pindi et les autres en Europe. Ils étaient ici, stars à télé. Qui Europe, moi, en fait, mon modèle, c'est Popol Mukeleng, le vieux popcorn que j'ai sali depuis UK en Angleterre. Mais il est en Europe, afin d'en aller actif, activité qui n'est pas sur le boué, en temps plein, on consomme Thierry Bomba. Mais en Europe, on a deux ou pas là. Alors, continuez à être actif. Moutounangaï, que j'ai salué trois fois ça, je ne dis pas. Azakounazo, continuez à travailler. Et les autres sont partis là-bas, Jazz, Kavoulou, et les autres, les Glody, Diasouka, les autres, ils ont travaillé. C'est-à-dire, tout dépend de la vision à Moutounamoto. Mais à Wapé, on a des papi Mboma. De temps en temps, il fait l'Europe, il revient ici. Quand il est en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne des émissions, Atiniaba diffusé.
Je vais citer mon vieux Nathalie Lokole que je salue depuis la France. En tout tourné dans MG30. Il est en Europe. Mais à Kekou, nous avons continué comme ça, émission, section musique est diffusée. À Zara, en Angola, à Tournana, Béritier, partout où il passe, il tourne ses émissions. C'est-à-dire, tout dépend de la vision. Là où je suis, je reste silencieux ou je continue à être actif. Tout dépend de la vision. Bato Baya Kawana Bazonaka, silence, radio, promoter l'autre, l'autre. Ils ont la vision, ils ont permettre de faire un cheval à Kinshasa. Mais on a aussi nos artistes qui vivent ici. Nos frères Egola, nos Fali Poupa, nos Ransom et les autres. Mais au moins, la minute où on a Fali Poupa, ils sont au Canada. Les deux ont deuxième production. Après, aux États-Unis, ils continuent la production. Frère Egola, ils ont abattu la Russie et les autres. Mais enfin, c'est-à-dire c'est possible, mais la promo, ils ont la paix. Partout aujourd'hui, le monde est devenu vraiment un petit pays puisqu'on a l'internet. Avec l'internet, il y a des artistes qui font des promos là-bas, Instagram, là-bas, Facebook, YouTube, là-bas, plateforme P aussi, moi je pense que c'est possible de vivre en Europe, mais de faire aussi la promo ici. Parce que quand on est ici, on fait la promo sur internet, donc c'est aussi, il faut savoir que quand je vis là-bas, je dois faire la promo. Ma chaîne, c'est la vidéo, diffuser, c'est aussi important. Tout dépend de la vision. Si tu en as fait ça, Ayebake, ils appellent Ningemoro Yako raté parce que le plus grand danger est na air à vol, mais ça na air à décollage. Ça, on considère ça comme un décollage. Na ajoua commune, c'est un décollage. Ce qu'a raté Yango, il faut annoncer vol à Mabé. Donc, il doit vraiment tenir compte de ces décollages. Koya na yesora rozon à poto, mais ajoua tant qu'il étudie dans la réalité à Kinshasa, comment mettre sur pied une bonne promotion équipe à malon. Parce que la promotion, ils ont coûté Pembongo. Moni ba chaîne a fufuta ba DJ ba chaîne radio fufuta ba ingénieur ou ba zakawana pour ba diffuser. Donc du coup il faut vraiment tenir compte en réalité terrain et je parie fort que Tchanda a de la place. Ok, en tout cas on souhaite bonne chance à Tchanda et c'est par là que nous allons clore le sujet Tchanda. Et avant de continuer, je m'en vais faire coucou à celui qu'on appelle Bagwaps, José Bagwab Imoté Mabranda la Koutou Diva plus le boss de Central Buzz Congo Télévision et pourquoi pas tonton Penel Papingoloba de Zozogdobe, Freddy Tumba le barba papa de Cyril Kasiki la barba maman, à tout seigneur tout honneur le King Akai Mobutu Barézi Baza, je te salue et bienvenue dans l'équipe Christian Zenga Mambo. En parlant d'Europe, Thierry Mumbaya, Papa Nabisso, Pasteur Nabisso, Moïse Mbi a bêti concert et ça s'est très bien passé. On a été surpris de m'emmener les Raki, Bakangi, Bokechua Yambo et finalement il y a encore un autre concert. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Je dis félicitations au Pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel. Je dis grand merci à Dieu puisqu'il a permis. Vraiment. Au final, il faut tout accepter que c'est Dieu le maître, il y a temps, il y a circonstances. Donc, tant on est obéi à concert, circonstances, voilà, Dieu reste le maître suprême, il a permis cela. Donc, quoi de plus normal qu'on s'en réjouisse. Mais seulement, moi, je vais dire ceci. Moi, je suis un combattant, à un certain niveau, comme c'est un sujet sensible, et là, on est au monde, on est au monopole, on est super congolais, et pourtant, on est tous congolais au même titre. Mais en fait, on est congolais au même titre que Bissot. C'est-à-dire, quand il s'agit de notre pays, Bisso bato toza awa, il faut péter l'oba. Certes, elan et kou tapa na bango, elan pe kou tapa na bisso, on est tous combattants. Parce que ce que nous disons ici par rapport à la réalité, mourana bisso, on est encore exposé. Bango bazakuna peut-être les akake, bon, mairie, azane résident, azape na nationalité, il est protégé. Mais nous aussi, ici, on est exposé. Moi, je prends toujours un exemple, ma chère. On a des Bob Elvis ici, on a des Alech ici, on a des artistes qui ont chanté des choses, des réalités, où les kanaka awa. Ils ont dénoncé Nandemo. Banani va soutenir Bango, toujours un combattant. Personne. Alors, silence radio, c'est comme si les allèges n'existaient pas. Tout ce qui est sur YouTube, sur Facebook, en fait, tout ce qui est plus YouTube, sur le site à vente. C'est-à-dire que la meilleure manière de s'appeler les musiciens, c'est que non seulement tu as un bêta, tu as un bêta, tu as un bêta au maximum. Au maximum pour tout ça bango énergie parce que plus baso teka plus baso empocher et permettre bango pas continuer à multiplier ben fort ya ça mon ça mais OK autant la fallait pour pendant que tekina lèche na tekou mon arrêt fallait tekka ko le calèche et qui achète les mêmes combattants fallait pour pas à prévoir concert na Bercy na février ba billet de Jessine le métro qui ont acheté ces billets les mêmes personnes qui sont en Europe. On veut la chose et son contraire en même temps. C'est déjà une petite folie. Moi, je pense au niveau où nous sommes arrivés, il faut dialoguer. Il faut parler avec les artistes. Vous savez, on tombe souvent malade, mais chaque fois que tu tombes, tu souffres de la malaria, par exemple, les palus. Aujourd'hui, qui s'y aime sous malaria, ou biquité. Aujourd'hui, sous malaria, le biquité.
Il faut changer de produit. Il faut voir les choses autrement, soit changer l'environnement. Et il en est de même dans le phénomène combattant. Il déplorait Kabila, fait souffrir le peuple congolais. Kabila, il faut chasser la Kabylie. Alors, Kabila, c'est ça, des artistes et musiciens, tout frappé. Kabila, ça a 17 ans à côté du 18e année, il a pouvoir. Phénomène combattant, Zalaki, artiste et bandeur au Bétaku. Ça n'a rien changé. Pendant ce temps, il fallait revoir les stratégies. On se sert de ces artistes-là pour tout qu'ils ne peuvent pas faire baron. Mais ils n'ont pas fait cela. Donc, moi, je pense, au niveau de Tokomi, il faut que les concerts reprennent. Et tu comprends que cible est Malonga et ça, artistes et musiciens. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Mombaya, et grand merci d'avoir accepté de passer chez nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Merci à la grande équipe de Central Buzz Congo Télévision, la réalisation qui a été assurée par le King Akaem Mobutu. Merci au tonton qui était derrière la caméra, à qui je dis coucou. Et au besoin, contactez-nous, appelez-nous, laissez les commentaires, ok? Mais surtout, si vous voulez soutenir notre frère qui est souffrant, nous avons vu sur la caméraman, Oyo, à Zobé la cancer et à gorge, hein? Si vous voulez soutenir, vous pouvez toujours appeler sur mon numéro et je vous passerai ses contacts. Je vous dis à très prochainement. Bye bye. Central Buzz.